Alors, je m'appelle Thérèse Kohler, je suis bergère sans terre dans la Double. Ça fait 12 ans maintenant que je circule avec mes brebis. On a un cheptel de 400 brebis mères et on circule sur 5 ou 6 communes. C'est un troupeau itinérant. Je n'ai pas de bergerie. Elles sont dehors toute l'année. Elles annielent dehors. Elles ne mangent jamais rien. Vraiment, le truc spécifique, c'est qu'elles ne mangent jamais rien d'autre que ce qu'elles trouvent dehors. Ça fait qu'il faut avoir des bonnes connaissances en herbe, en pâturage. Et on est très dépendant aussi des aléas climatiques. Alors, je n'ai aucune formation agricole. J'ai été conjointe agricole pendant 20 ans. Et puis je me suis installée ici, bergère sans terre. Après j'ai fait quand même... Après j'aime bien faire des formations. J'ai fait des formations de comptabilité gestion. J'ai fait des formations de chien de troupeau, d'alimentation de brebis, de tonte. Voilà, je me suis un peu formée sur le temps. On va dire. Ce qui me plaît énormément dans ce système d'élevage, c'est d'être dehors avec les bêtes et de travailler en une sorte d'harmonie avec elles. C'est ça qui me plaît le plus là-dedans, et de pouvoir être dehors presque tout le temps, de pouvoir regarder ses brebis manger, d'avoir le temps de regarder, le temps d'élever, le temps de choisir. D'accord. Alors moi j'ai monté le projet toute seule, hein. Ça fait 12 ans maintenant que je fais ça, et depuis 2 ans, c'est la troisième année, je travaille avec un collègue, on se partage le travail dans le troupeau, et donc ça fait beaucoup évoluer. Après les autres partenaires, c'est plus des prestations de service, les gens qui me lavent la laine, les gens qui me cardent la laine. Après, moi, je la file moi-même. Et puis, c'est une amie qui fait le tissage. Ou alors, avec l'agneau, c'est le partenaire, ça va être l'abattoir, le boucher et les groupes de personnes qui achètent les brebis. Quand je me suis installée, je n'ai pas eu le sentiment « Tiens, ça c'est mon système que je fais parce que c'est moi ». J'ai eu plus l'idée « Tiens, c'est une bonne façon d'aider à changer la vision sur l'agriculture ». Et du coup, dès le départ, j'ai milité pour dire « Regardez, on peut faire comme ça, c'est simple, c'est peu coûteux, il y a pas de grandes frais d'installation, il n'y a pas... » Voilà, il y a peu de choses qui nous tiennent vraiment, et on peut réellement travailler aussitôt. Et petit à petit, donc j'ai un peu agrémé d'autres gens. Et maintenant, en Dordogne, on est une petite dizaine de personnes qui ont un système comme ça, similaire ou pareil.